En manchette aujourd'hui, il y a eu une simulation au service incendie de la MRC de Dautré. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin nouvelle du 30 novembre 2018. Eh bien oui, la dernière journée du mois de novembre, une température un petit peu plus clémente, et on va sûrement reparler de météo à la fin de l'émission. Maintenant, comme mentionné en manchette, samedi dernier, le service sécurité incendie de la MRC de Dautré, conjointement avec les services paramédicaux de Berthierville, ont participé à une simulation d'une intervention en situation de sauvetage hors route sur les sentiers de la Sirbie. Pour la cause, deux acteurs membres du service sécurité incendie ont agi en tant que blessés graves alors qu'ils s'adonnaient à l'abattage d'arbres. En panique, une troisième victime avec un historique de problèmes cardiaques s'est ajoutée à la situation. Ainsi, des équipes de sauvetage ont parcouru plusieurs kilomètres en véhicule côte à côte afin d'effectuer des manœuvres nécessaires et ensuite les transporter vers un poste d'accueil de la Sirbie où des véhicules d'urgence attendaient les blessés. Présente sur place, Mme Nantel, qui est la mairesse de Berthierville et en plus la présidente du comité de sécurité service incendie de la MRC, ainsi que M. Louis Bérard, maire de Sainte-Élisabeth, et Yves Morin, conseiller de la ville de Saint-Gabriel, ont été aussi présents justement pour voir comment se passait la simulation et leur satisfaction a été très grande par rapport aux intervenants. Constater l'efficacité des équipes dans le feu de l'action, le tout dans un esprit collaboratif, est seulement grandement rassurant. La sécurité de nos citoyens est entre de bonnes mains et assistée du personnel hautement qualifié, de mentionner Mme Nantel. Cette simulation et l'acquisition de matériel de sauvetage ont été rendues possibles par un programme d'aide financière offert par le ministère de la Sécurité publique. Des outils d'information de prévention seront également distribués aux cours des mois à venir. Et justement, parlons de prévention. Aujourd'hui, justement, en fin de semaine, on pourrait dire qu'avec l'arrivée de décembre, c'est le lancement officiel des décorations de Noël. Et nous avons eu la chance aujourd'hui de rencontrer Francis Doyon, qui est un pompier préventionniste, justement, du service sécurité incendie de la MRC d'Autré, nous parler de décorations de Noël. Bonjour Francis, ça va bien? Ça va très bien, vous? On est dans un beau décor de Noël aujourd'hui. On va parler un petit peu de la prévention, justement, au niveau de la période des fêtes. L'hiver qui arrive, je pense qu'il faut faire un petit peu plus attention à la sécurité là, dans la période des fêtes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Effectivement. Surtout que tu es un pompier préventionniste, que tu es exactement l'expert pour venir nous parler de prévention. Exact. En plein hiver. Si on commence par les décorations de Noël, oui. Tu m'as parlé en pré-entrevue plein de choses, j'ai découvert plein de choses et on va commencer par nos fameux arbres de Noël naturels versus les artificiels. Oui, bien en fait, c'est sûr certain qu'il peut y avoir certaines différences puis des certaines choses qu'il faut considérer. Lorsqu'on utilise déjà en partant un sapin naturel, il peut y avoir un peu plus de risques reliés à ça. C'est-à-dire que le sapin naturel ne veut pas être amené à sécher avec un certain laps de temps. Donc, toujours s'assurer de bien l'hydrater pour être en mesure de garder, pour pas qu'il vienne un moment qui soit trop sec, puis justement qu'il y ait une combustion qui se fasse avec les décorations avec ou les sources de chaleur exactement à proximité. Bien installé, je pense aussi, on pourrait dire. Totalement. Mettre sur une bonne base, là, exactement. Parce que c'est pas de le mettre à peu près. Si vous avez des animaux aussi à la maison, chats, chiens, dans le fond, ils peuvent être amenés à gruger les fils. Donc, aussi, prendre une précaution à ce niveau-là. Si on a le même problème avec les artificiels ou avec les... Ça, c'est, on va avoir le même problème avec les animaux, il faut faire attention. Exactement. Tu me parlais aussi pas la qualité du fil, mais la sorte de lampe de lumière, oui, versus intérieur-extérieur. Bien, en fait, chaque décoration va avoir un guide du détaillant qui vient avec, là, je veux pas. Mais chaque lumière va avoir aussi un type d'utilisation qui va être, dans le fond... à avantager ou à préconiser. C'est-à-dire que quand on achète une décoration qui est intérieure, c'est de s'assurer de ne pas les mettre à l'extérieur et vice-versa. Les ampoules qu'on va utiliser, mettons, à l'extérieur, vont peut-être dégager un peu plus de chaleur versus ceux qu'on va utiliser à l'intérieur. Un autre petit conseil pratique que je peux donner,
La plupart du temps, quand on met des décorations de Noël, c'est sûr et certain qu'on les met pour décorer puis mettre une certaine ambiance. Ouais. Donc, c'est de s'assurer aussi de ne pas les garder tout le temps allumés. Oui, hein? Question de, premièrement, conserver l'électricité, payer moins cher l'électricité, exactement. Mais aussi, je pense, question de chaleur aussi. Question hein? de chaleur, puis aussi, vous ne voulez pas, c'est pas fait pour être utilisé en permanence. Okay. Donc, peut-être l'utiliser quand on est à la maison, créer une petite ambiance, mais quand on s'en va soit se coucher ou on s'en va à l'extérieur, tout le temps s'assurer de bien fermer les décorations. Puis pour les gens qui peuvent être des fois, tu sais, dans le temps des fêtes, on est préoccupé, on a bien des obligations. Donc, des fois, c'est peut-être difficile d'y penser. On peut utiliser une minuterie pour faciliter les choses. C'est ça que tu nous quittais, que quand on quitte pour peut-être 2-3 jours, justement, ouais. pour aller fêter, l'idéal, fermez vraiment vos décorations de Noël. Totalement. Totalement. Ouais. Vous venez, en fin de compte, de trouver au moins éliminer, on pourrait dire, une source de problème ou une source potentielle source d'incendie, c'est sûr et certain. Puis, dans un sens, c'est quand on vient créer soit une surcharge ou même encore, même si c'est un sapin qui est... Artificiel, il peut y avoir quand même un risque quand on utilise ou qu'on surcharge justement l'utilisation d'un appareil. Tu me disais tantôt, on parlait de la qualité des fils, des choses comme ça. Un autre petit conseil, si on les branche puis que ça saute à tout bout de champ, il y a un problème. Exactement. Soit la boîte ou soit les lumières, c'est ça? Exactement. C'est sûr et certain qu'il faut tout le temps valider. Si on voit que les breakers sautent quand on installe des décorations, ou qu'on utilise plusieurs équipements sur une prise électrique, des fois, c'est peut-être aussi de répartir la charge. Un autre conseil que je peux donner, c'est de ne pas utiliser des cordons souples ou des power bars qu'on appelle dans notre jargon. Ne pas les utiliser, soit les surcharger premièrement ou ne pas les rabouter un à une. C'est-à-dire que c'est un équipement qui est fait pour fonctionner. Il n'y a pas de danger avec ça, surtout si on prend des équipements qui sont homologués CSA ou ULC. Mais n'empêche que le conseil que je peux donner à tous, c'est vraiment de ne pas les rabouter un à l'autre, du fait qu'ils sont faits pour, oui, alimenter, mais pas s'alimenter en chaîne. Donc, si on veut faire un résumé avec nos décorations de Noël, oui. Si on parle de l'extérieur, bien, soyez prudents. Totalement. Vérifiez-les, dans le fond, je pense, tes choses. Bien, si sont vieilles, même si on fonctionnait, à un moment donné, il faut vérifier s'il n'y a pas eu des petits bouts grugés, s'il n'y a pas eu des choses, parce que ça peut toutes des sources d'inflammabilité, c'est ça le point? Absolument. Puis, je veux pas, avant même de poser les lumières ou quoi que ce soit, j'encourage les gens à toujours vérifier soit le filage, brancher l'appareil avant ou la décoration pour s'assurer de son bon fonctionnement. Puis une chose aussi qui est à prendre en considération, c'est quand on vient apposer nos lumières, ne pas utiliser des agrafes ou des clous. Ouais. Ça peut endommager les fils, ça peut créer une certaine... résistance. Exactement. Donc, on veut éviter ces genres de choses-là. Ils se vendent maintenant des petits crochets en plastique qu'on peut utiliser pour apposer nos lumières à l'extérieur. Bon, mais je te remercie beaucoup qu'on ait parlé de décorations de Noël. Je pense que ça va être la fin de semaine. Puis il va y avoir beaucoup encore de décorations qui vont sortir. Puis en espérant bien, que ça ait justement comme conséquence les petites recommandations que vous ne sortiez pas dans le temps des fêtes. Non, effectivement. C'est pas parce que on n'en veut pas. Bien, c'est ça. C'est, surtout que c'est une période que c'est censé être festif. Donc, on veut éviter... d'avoir des petits problèmes avec ça. Exactement. D'accord. Bon, bien, je te remercie, Francis, puis on se reparle pour une autre capsule. Sans problème, merci. Merci beaucoup, Francis, de nous avoir parlé justement de prévention. Maintenant, le Recyc Québec a un nouveau porte-parole. Donc, Recyc Québec a dévoilé aujourd'hui le premier porte-parole de son histoire et c'est Timé, le célèbre personnage incarné par Claude Meunier dans l'émission La Petite Vie, qui sera la tête d'affiche d'une série de campagnes publicitaires. Dans le cadre de cette collaboration, Claude Meunier agira comme comédien et auteur des campagnes publicitaires en collaboration avec Recyc Québec. Il prendra également la parole lors d'événements ciblés. Le souhait de Timé s'est imposé tout naturellement, alors que le personnage séparait déjà le mot du dur dans ses poubelles lors de la création de La Petite Vie il y a 25 ans. Aimé Paré mettait déjà en pratique plusieurs gestes pour réduire le gaspillage des ressources avant même l'invention du terme « zéro déchet ». Ayant incarné le rôle de Timé, qui était déjà un précurseur et un recycleur naturel, de mentionner M. Claude Meunier, je suis très enthousiaste à l'idée de retrouver dans ce rôle et dans cet univers. Et justement, regardons justement une première bande-annonce qui sera représentée par Timé et Recyc Québec. Oh boy. Ah, bonjour! Non, pensez pas que je suis déménagé dans un bac, là, non, c'est juste, je suis en train de faire le ménage dedans.
C'est incroyable ce que les gens jettent là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Bon, regardez-moi ça. Bon, ça, du papier, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh, Seigneur! Oh, mon Dieu! Un grille-pain! Un grille-pain, toi! Un grille-pain! Qui c'est qui met un grille-pain d'un bac? Franchement! Ah, oh, c'est chaud là-dedans! Bon! Qu'est-ce qu'on a maintenant? Une télévision! Une appareil de télé, qu'est-ce que ça fait dans un bac? Les gens ne savent pas quoi jeter, finalement. Bon, regardez-moi ça. Un popsicle au raisin, ça se peut-tu? Non, mais non, un plan pour tout geler le papier puis le carton qui est là-dedans. Au raisin, c'est même pas ma sorte en plus. C'est quoi cette affaire-là? Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? My God, le summum de l'incompétence. De la peinture, un pot de peinture flambant neuf en plus. Qu'est-ce que j'avais d'affaire à mettre ça là, moi? Bon, les gens jettent vraiment n'importe quoi. Là, vous vous dites, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, Seigneur, c'est pas compliqué. D'abord, parce que ça me tente. Et ensuite, parce que oui, croyez-le ou non, je suis le nouveau porte-parole de Recyc Québec. Eh oui. Vous n'êtes pas surpris? Moi non plus, oh non! Parce que j'ai toujours été fascinant d'abord, et surtout fasciné par tout ce qui est matière résiduelle. Non, mais rappelez-vous. Comment tu me finirais de ça, sous pied, là, parce que c'est les vidanges recyclables de même. J'ai quasiment pas de carton à la donner. Il en reste la moitié dedans. Ben oui, mais je peux plus l'acheter à moitié pleine demain, justement. Quand il y a ça aussi, il faudrait que tu me vides. Là, il y a à peu près 15 cuillerées là-dedans, maximum. Hey, ça va faire, là, plus donc tu me prends, tu pour la négoût, toi. C'est un moment d'après toi, si tu minces ou épais, ça. T'es mince, épais. Bon, impressionnant, non? OK, on va sortir d'ici, maintenant. C'est ça, pas long. Donnez-moi une petite seconde. Écoutez, je sais que ça a l'air compliqué, là. Bac brun, bac bleu, bac vert, c'est pas facile à comprendre. Mais habituez-vous, parce que bien vite, il n'y aura plus de sac vert. Non, il va y avoir juste des bacs. Oui, mais ça, ça prend pas un bac pour comprendre ça. T'sais. Oh boy, elle est vraiment bonne, celle-là. Elle est effrayante. Non, c'est vrai, c'est pas moi qui dis ça. Elle est effrayante. Ça vient de l'eau. Des bacs. C'est des bacs. Donc, merci beaucoup à Claude Meunier d'avoir fait ces capsules vidéo et félicitations à Recyc Québec d'avoir trouvé vraiment un porte-parole qui est près des gens ici qu'on connaît bien et qu'on va sûrement suivre. Et maintenant, allons à la première pause. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand tu essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand tu insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'elle a couru après. Quand tu prends mon nom pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement, c'est une agression sexuelle. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, chez Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Si tu prends ça, tu peux finir ta soirée ici. Ou là. Ça dépend si tu prends ça. Pour aujourd'hui, le 30 novembre, le FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Denise Grégoire, Yvon Hérault et Anne Chevalier. Maintenant, allons au 1er décembre. Le FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Philippe Hénault, Lise Roch et Manon Champagne. Allons maintenant au 2 décembre à Jean-Denis Courchêne. Bon anniversaire de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas.
Donc, à toutes ces personnes, profitez-en bien pour fêter avec votre famille et vos amis tout au long de la fin de semaine. Maintenant, un petit rappel que si vous prenez soin d'une personne malade ou en perte d'autonomie, un parent, un conjoint, un enfant, qu'il habite ou non avec vous, vous êtes un proche aidant. Que vous souhaitez partager votre expérience avec d'autres aidants, assister à des conférences pouvant vous aider dans votre rôle ou vous aérer l'esprit en participant à diverses activités ludiques, la programmation d'hiver du réseau des aidants naturels de Dautré peut répondre à vos besoins. Il y aura des rencontres, des cafés-rencontres à Berthierville. Les dates seront les mardis 8 janvier, 5 février et 12 mars. Les thèmes, s'il vous plaît, ne pas déranger, nos sentiments cahiers et ralentissez, toujours de 9h30 à 11h30 et comme toujours à l'hôtel de ville de Berthierville, 588 Montcalm, le local 308. Les inscriptions sont libres sans aucune obligation d'assiduité. Il y a aussi des soupers-rencontres les jeudis 10 janvier, 7 février et 14 mars. Encore là, les mêmes thèmes, ne pas déranger, nos sentiments cahiers et ralentissez. Dès 18h au Mike's de Berthierville, le prix, le coût et le prix de votre repas. Et vous devez confirmer votre présence avant le mercredi précédant l'activité. Et une conférence, apprivoiser les pertes et le deuil, offerte par l'organisme aux couleurs de la Villa Naudière. Cette conférence aura lieu le mardi 22 janvier de 9h30 à 11h30 à la salle communautaire de la résidence du Sacré-Cœur sur la rue Montcalm à Berthierville. Comme toujours, le coût est gratuit. Vous devez confirmer votre présence avant le 18 janvier. Une autre activité à venir en janvier, projection du film « Ma vie en suspens », encore là, en collaboration avec le CABA. Et ce film aura lieu le 19 mars, on aura le temps de vous en parler, au CABA. Donc, pour toute information, justement, concernant le réseau des aidants naturels, vous pouvez composer le 450-836-0711 et vous pouvez parler à Marie-Lie Descoteaux, qui est intervenante. On parle de prochaines activités. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 6 décembre pour remplir le formulaire pour les demandes de panier de Noël pour les gens de Berthier et de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Vous devez vous présenter au bureau administratif à la friperie de l'Abitou ainsi qu'au comptoir de meubles et vous devez rencontrer Christine avec une preuve de résidence et une preuve de revenu. Maintenant, ce soir, n'oubliez pas, c'est le souper organisé par le groupe d'entraide en toute amitié. À partir de 6 heures, il y a un souper bénéfice au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, justement, aujourd'hui, bien, petit rappel, c'est aujourd'hui que débute la 35e campagne de raccompagnement d'Opération Nez Rouge. La centrale secondaire ici à Berthierville est située au 588 rue Montcalm dans les locaux de l'Association des personnes handicapées. Le numéro de téléphone 450-756-4011. Vous pouvez utiliser aussi l'application mobile, qui est un incontournable. L'application mobile Opération Nez Rouge présente une foule d'options pratiques. Grâce à sa fonction de géolocalisation, elle permet de connaître le numéro de la centrale la plus près de chez vous, ainsi que les heures d'ouverture. L'application est activée par Desjardins, qui offre également la possibilité de planifier une alerte durant la soirée et de transmettre son formulaire d'inscription en utilisant l'appareil photo. Justement, encore plus de raisons de faire appel à Nez Rouge, vous pouvez justement, il y a environ 1,5 million de dollars qui ont été collectés par les bénévoles et qui sont remis dans la région. Et vous pouvez vous inscrire aussi comme bénévole, encore là, en allant sur le site de Opération Nez Rouge, le site web, pour devenir bénévole. C'est vraiment une très belle expérience. Donc, Opération Nez Rouge, on rappelle que c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes les situations de faculté affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice et en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté. Maintenant, encore des activités pour demain, le 1er décembre. On n'oublie pas que c'est le premier marché de Noël du centre du CHSLD Champlain-le-Château. À cet effet, écoutons justement Julie nous parler de cette belle activité.
Bonjour Julie, comment Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Dans notre pèlerinage, dans notre visite ici du centre d'hébergement, on est rendu avec toi. Oui. Et toi, tu es la technicienne en éducation spécialisée, oui. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que ça fait ici? Bien, en fait, je coordonne toutes les activités de loisirs. OK. On a la chance d'avoir une belle équipe de travail, puis on a aussi une belle équipe de bénévoles. Donc, j'organise tous les événements qu'il y a dans l'année, durant l'année. Puis toutes les activités de façon quotidienne aussi, dont on parle de la messe, du bingo. Donc, c'est beaucoup de travail, parce que satisfaire quand même 73 personnes, son oui. père, puis la famille aussi, j'imagine, oui. les intervenants. Faut que tu aies de l'imagination. Faut que t'aies un peu, oui. un peu d'imagination. Oui. Et je vais te poser la première question. C'est quoi qui est populaire? Le bingo, justement, la messe, c'est quoi qui est les meilleurs vendeurs? De façon quotidienne, sur une semaine, c'est la messe, oui, le mardi, et le bingo le jeudi. Et une fois par mois, on a une fête du mois offerte par l'Association des bénévoles. Ah, c'est bien. Donc, c'est quand même, c'est un chanteur qui vient, donc c'est assez populaire. Là. C'est ça, je sais que Mme Blais va nous en parler, là, oui. qui est la présidente ici oui. Des bénévoles. Et cette année, vous avez décidé de faire une activité, on pourrait dire, particulière. Et c'est oui. un petit peu pour ça aussi que les décorations de Noël sont déjà sorties. Vous oui. allez faire un marché de Noël. Oui. Vous avez eu une idée en groupe, c'était quoi? Là? C'est quelqu'un qui a dit « Pourquoi qu'on ne ferait pas ça cette année? » Oui, exactement. Bon, on a eu, c'est l'idée de Mme Corinne Ferrier, qui est partenaire expérience client. Puis, elle a eu l'idée de faire un marché de Noël. Donc, on s'est formé une équipe pour créer la première édition du marché de Noël cette année. Donc, voilà. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, des rencontres, beaucoup d'appels aussi téléphoniques là, pour les artisans. Okay. Et en premier lieu, c'était pour les résidents. Vous avez oui. pensé à cette idée-là, oui? Oui, à la base, pour les résidents et leurs familles. Et ensuite, bien, c'est ouvert à toute la communauté. C'est comme des portes ouvertes, on peut dire ça des comme ça. Ouvertes, ça. Donc, c'est ouvert à la communauté de Berthierville et les environs. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme, on pourrait dire, de produits en vente? Qu'est-ce qu'on devrait avoir sur place quand on va se présenter? Oui, bien, en fait, je vais vous les nommer. Donc, on a articles de cuir, on a des bijoux, des accessoires de mode ou d'esthétique. On a des cartes de vœux, des vêtements, du tricot, des œuvres d'art, des vitraux, produits culinaires maison et on a une sucrerie aussi. On a des tabliers de cuisine et bien d'autres idées cadeaux originales à présenter. Donc, dans le fond, on est en date du 20 novembre. Ça peut encore se rajouter d'ici le 1er décembre. Ou vous êtes complet présentement? On est presque complet. Donc, c'est sûr qu'on a quelques exceptions là, qui pourraient se rajouter. Okay. Là, mais sinon, c'est assez complet. Est-ce que ces artisans-là viennent de la région? Est-ce qu'il y a des locaux ici? Est-ce qu'il y a des gens en résidence qui ont participé? On a une résidente qui va participer, oui, qui va présenter, qui va offrir... ce qu'elle a créé. Puis sinon, c'est des gens de la région là, qui se sont inscrits puis qui vont venir qui vont présenter. Venir ici. Et ça va se présenter dans l'espace ici. J'imagine oui. que ça va être votre la grande salle ici à l'entrée que vous allez présenter ces choses-là. Oui, exactement. Donc, dans le hall d'entrée et aussi dans la salle communautaire. Dans la salle communautaire. Et son rappel, c'est le 1er décembre. Oui. Et c'est de quelle heure à quelle heure? De 9h à 19h. Donc, voilà. C'est... Donc, vous avez premier arrivé, premier servi. J'imagine que plus on arrive de bonne heure, plus on va avoir du choix, des belles choses. Oui. Et c'est une très, très belle idée, justement, pour justement offrir des cadeaux de Noël. Pensez déjà. Tout à fait. Vous êtes dans l'air du temps et oui. vous êtes aussi en avance, donc, les gens qui sont déjà prêts à investir et à s'encourager, là, les gens ici. On a parlé des boutiques. Est-ce qu'il va y avoir d'autres activités aussi durant cette journée? Oui, en fait, on a une belle équipe de bénévoles qui vont être là pour nous accompagner cette oui. journée-là. Donc, on va avoir le Père Noël qui va ah, être là oui. de 9h à 19h pour les enfants. Okay. On a un kiosque aussi. En fait, je vais les nommer aussi. Donc, la Grande Guignolée qui vont être là, les fonds vont être remis en train dans toute amitié. On a le sapin où on peut faire des vœux à l'entrée. On a un kiosque d'emballage cadeau. Ah oui! On a les vestiaires aussi qu'on offre. On a un grand vestiaire là, pour offrir pour les gens qui veulent mettre leur manteau. Le stationnement aussi, le service de stationnement qui est gratuit. Et on a un panier cadeau aussi qui va être tiré à la fin de la journée, là, vers 18h30. Donc, les gens qui vont venir ici vont pouvoir... avoir une s'inscrire, belle puis avoir une chance de gagner un panier cadeau. Avez-vous des objectifs de visiteurs? Bien, pas de du tout, mais non. on s'attend à... avoir un engouement. Oui, exactement. Puis ça a été affiché beaucoup dans la région de Berthier et les environs aussi. Donc, les gens sont un peu au courant là, du marché de Noël. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Julie. Puis sûrement qu'on va venir faire un tour, visionner, filmer un petit peu l'ambiance qu'il va y avoir ici pour le temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci.
Donc, merci beaucoup, Julie, pour ces informations. Et en terminant, n'oubliez pas aussi, samedi soir, après avoir fait une belle journée de magasinage au marché de Noël du Château, ce sera le spectacle gratuit offert par la ville de Berthierville avec la chorale de l'Art Neuf à compter de 8 heures à l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Et maintenant, allons à la première pause, à la deuxième pause, excusez. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Roues. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Si tu prends ça, tu peux veiller tard ici ou là. Ça dépend si tu prends ça. Centre Parfilia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 18 novembre, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Claire Pelletier, épouse de M. Roger Delbecq, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Zénon. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jocelyne Delbecq, Guy Delbecq, Francine Delbecq, Raoul Soucy, Yvon Delbecq, Nicole Delbecq, Alain Lambert, Jeannot Delbecq, Denis Delbecq, Francine Roy, Lynne Delbecq, Serge Demers, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Gaston Delbecq, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 1er décembre dès 13h30 en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Suivront les funérailles à compter de 14h. Les cendres de Mme Pelletier seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. Et à son domicile de Joliette, le 24 novembre, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gilles Poulette, époux de Mme Odile Drainville, demeurant à Joliette et natif de Berthierville. L'ayant précédé sa fille Renée, ses frères Normand et André, il laisse dans le deuil, outre son épouse Odile, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Françoise Poulette Fernand Bellumeur, Pauline Poulette Paul-Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette Feu André Sarrazin Régent Laporte, Pierre Poulette Carmen Lambert, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette Louise Leblanc, Céline Drainville Feu Richard Bélan, Jacques Drainville France Parent, Alain Drainville, feu Ginette Robillard, Denis Drainville, Jeannine Soulard, feu Jean Davila Drainville, Monique Belle-Rose, feu Pierre Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 1er décembre dès 10h en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Suivront les funérailles à compter de 11h. M. Poulette sera inhumé au cimetière de Berthier. Et maintenant, allons à la météo. La météo, on parle pour ce soir d'une température d'environ 1 à moins 1 degré Celsius, en quand même un peu nuageux. Demain, ce sera un ciel variable avec une température oscillant entre moins 5 et 2 degrés Celsius. Il y aura environ 5 heures d'ensoleillement. On parle de dimanche pluie ou neige avec peut-être 5 à 10 mm de pluie ou près de 1 cm de neige. Et un aperçu pour lundi. Encore quelques risques d'averse avec une température oscillant entre 4 et moins 7 degrés Celsius. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 30 novembre 2018. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien.